Bonsoir, bonsoir, Eternopiens, Eternopiennes, bienvenue sur l'Eternoship du 974 en ce mardi 7 mai, j'espère que vous allez bien. On est là pour faire du Manor Lord ce soir, pour ceux qui ont suivi le planning, c'est comme la semaine dernière. J'en ai refait en off parce que je me suis vraiment éclaté sur la première session en live, la session découverte. Donc là, ça va être une session, on va pousser un peu plus loin. On va continuer notre petite game de départ parce que c'est vraiment très sympa et c'est vachement cool. Le jeu est excessivement cool et on s'installe pour partir dans le game de Manor Lords. J'espère que ça va chez vous, moi ça va très bien. Et let's go. Donc on s'est fighté en off, c'est dommage. C'était en off. J'ai fait mon premier combat contre une bande de brigands qui sont venus m'attaquer. Je le savais un an à l'avance qu'ils allaient venir essayer de me péter la gueule. Donc c'était drôle. Ils ont voulu m'éclataxe. Je les ai bien réceptionnés. C'est moi qui les ai éclataxe. Sauf que je me suis quand même fait éclataxe mon comment s'appelle ma retenue. Donc c'est-à-dire mon équipe du château. Je sais pas comment la recruter à nouveau d'ailleurs. Comment la recomposer. Ça faudra peut-être m'expliquer s'il y a quelqu'un qui est dans le délire. Donc cette colonne là. C'est une petite activité annexe. À la maison, il y a juste une incidence de prod. Ça va améliorer un peu la prod de nourriture, etc. Mais les habitants, voilà. Alors que là, on va dire qu'ils sont libres. Alors que là, en fait, ils vont être à plein temps dans une activité. Donc, soit une boulangerie. Donc, pareil, à chaque fois, c'est des histoires d'arbres de compétences à débloquer. Mais il y a boulangerie, forgeron, brasserie, tailleur, cordonnier, menuisier, armurier, archerie. Et c'est ça qui permet de produire ensuite des biens qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc forgeron, c'est lui qui va faire les armes légères par exemple. Les lances et les armes légères. Et c'est de ça dont j'avais besoin pour rééquiper mes petits soldats recrutés, enfin mes petits soldats, mes habitants recrutés en tant que, comment on appelle ça, en tant que milice. Je sais plus où j'en étais, c'est ça qui est dingue. Donc là j'ai fait un peu full poule, ouais poule, putain j'en ai fait des poules. Hein. Potager j'en ai fait deux, poule 1, 2, 3, 4, 5, ok. Qu'est-ce que je devais faire? La hutte de cueilleurs, ils sont dedans. Sauf que je crois que je laissais refaire le truc pour les recueillir. On est en couille au niveau de la réserve de nourriture. Faut que je trouve comment prod plus de nourriture. Parce que ça s'épuise tellement vite, ça. Les baies, là, c'est génial, hein, mais ça s'épuise trop vite. En fait, j'ai pu faire une petite amélioration. Donc, en fait, ils peuvent faire pousser des petites herbes. Et donc, là, visiblement, ils commencent déjà à en avoir 4 en stock. Normalement, c'était de la nourriture en plus. Et pas assez de provisions. Et ça pue. Ça pue parce qu'effectivement, en termes de nourriture, on l'a dans l'os, là. J'aurais bien fait venir le malt en attendant. Parce que je crois que la malterie, on l'a faite quelque part là, il me semble. Non, c'est l'orge. Non. Ouais, alors, j'avais dit que je devais faire. Effectivement, je crois que je l'ai faite quelque part là. Ou je l'ai cassé. J'étais parti un petit peu énervé, j'ai fait la malterie qui permet de produire la bière. Mais je l'ai cassé, parce que c'était un peu trop tôt. Bon, ah, bah on a du grain en plus. Ça serait bien de se faire un moulin à un moment donné. Hein. Moulin, du grain, qui permet de faire de la farine, voilà. Et un four communal après pour faire du pain. À un moment donné, j'ai envie de dire. Donc ça fait deux familles là, pour gérer le moulin, pour gérer le four communal. Ouais, donc ces deux familles qui sont en train de se tourner les pouces pour les constructions là, actuellement. On va se faire ça. Je crois que ça va être l'étape là parce qu'on a besoin de nourriture. C'est la merde. Hein. Et vu que là les graines elles servent à rien, allez, let's go. Let's go faire le moulin. Efficacité du moulin. Ah oui, d'accord, t'as une efficacité de moulin et tout. Oh my god. 97. Il n'y a pas genre 100%. 98, c'est cool. Tiens, j'ai bien envie de faire là aussi. Parce que là, c'est quoi? C'est. Ouais. On s'en fout, vas-y, viens, on le fait là, en plein milieu, mec. On va pas pleurer sur 2%. Let's go. Le fur communal. Ça, on s'en fout après. On peut le mettre où on veut. C'est pur fer Lupin. Lupin avec. Ouais, Omar Sy. Ouais, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il revendique encore, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Goldolf? Ouais, le mec, il veut revendiquer tous les pays du monde, quoi. Il va m'éclater, lui, hein. C'est vachement trippant. Il y a un mec qui est en train de revendiquer. Il a déjà trois terrains. Moi, je suis toujours sur le même là. Il s'agirait à un moment donné d'aller taper. Putain, j'avais une équipe de mercenaires là-bas. C'est un truc de malade. Il y a des recherches et tout. Ah ouais, c'est ça qu'il veut revendiquer là, juste à côté de moi, ouais. Et tu vas te brosser, Martine. Hein. T'as plus d'argent. Ah, tu veux dire pour le. Bah voilà. Ouais, la guerre. Mais après, je vais lui dire, mais non, mais vas-y, t'inquiète. On est cool, t'as vu? Et en fait, ouais. C'est ça, c'est trop cool. Bah, on va le faire pour montrer à Nemrod du coup. Parce que c'est trop marrant. Voilà l'endroit où on doit se mettre sur la gueule. Bien sûr. Alors, c'est complètement l'opposé de où je suis moi. C'est génial. Faudrait que je traverse tout ça pour venir lui. Qu'on se mette sur la gueule. Alors, mon gars. Tu peux te brosser. Voilà. Lui, ses unités, elles sont juste là. C'est génial. Lui, il est à côté, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà son armée, le mec. Ils sont trop. Et comment j'ai dit que je devais faire la malterie, moi? C'était pas dans l'industrie, putain. Ah, voilà. Elle est là, la malterie. On permet d'utiliser de l'orge. Pour produire du malt, à partir de malt.
Donc dans une maison, il faudra que je fasse une brasserie qui permettra de faire de la bière. Voilà l'armée qui m'attend. Enfin l'armée. Magnifique comme bataille, hein. Ça pourrait être beau, hein. Voilà. Attendez bien, hein, j'arrive. J'arrive demain. Ne vous inquiétez pas. Mettez-vous en place, voilà. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Faites un petit caca. Putain, ils sont au taquet en plus. Hein, 113%, 115, parce qu'ils sont arrivés les premiers, là. Et tu vois, les derniers, là, ils sont un peu... Ok, ils étaient fatigués, mais non, ils sont en train d'exploser. Ils sont super contents, là. Super. Les mecs, ils sont vénères de me recevoir. Voilà. Le rendez-vous dans 83 jours. Mais... Défaite probable. C'est vrai? Un peu. Proposer de déplacer le champ de bataille bloqué pendant... Ah! Bah ça a été proposé de déplacer le champ de bataille bloqué pendant l'accès anticipé. Utiliser la faveur royale bloquée pendant l'accès. Vous rendre bloqué. Vous rendre. Les deux adverses doivent mener leur armée jusqu'au champ de bataille. Si les troupes du seigneur visées par le défi n'arrivent pas dans la zone avant la fin du temps imparti, la victoire reviendra à l'attaquant, à l'initiative de l'affrontement. Menez votre armée vers cette zone pour remporter l'affrontement. Le champ de bataille peut se déplacer une fois l'affrontement commencé. Ah oui, d'accord. Les escarmouches sont trop éloignées du champ de bataille ne seront pas comptabilisées. D'accord. Donc si sur le chemin tu dois te foutre sur la gueule avec d'autres gens, tu te démerdes quoi. Où est-ce que t'as des stocks exposés? Ils ont toujours pas récupéré ça? Les gars, s'il vous plaît, hein. Comment on fait? En fait, tant qu'ils en ont pas besoin, il y a personne qui vient récupérer. C'est ça le délire. On a du cuir. On a des petits boucliers. Petits boucliers, ça pourrait être pas mal. Si je peux faire une petite armée de petits. J'allais dire de petits bâtards. Je suis quand même un enfoiré. Une armée de petits soldats là. Mais ça, il manque les grands boucliers, bah c'est bon. Je pense que les autres, on va les faire en mode petit soldat. Donc épée bouclier, et c'est 36. Donc quand j'aurai toutes mes lances, je partirai sur le fait de faire de la petite épée et la petite arme légère, ouais. Mais après, je vais commencer à engager de la milice, ouais. C'est bon quoi. Donc voilà pour les censifs 1, et quand tu y... Une fois que t'as tout ça, on va dire au top, enfin que t'as bien récompensé les besoins de tes habitants de sensibles de niveau 1, t'as la possibilité de faire l'amélioration vers le niveau 2. Donc là, tu vois, actuellement, il me manque juste deux types de nourriture sur les étals à nourriture. Il doit avoir que des baies. Ben, c'est con parce qu'ils ont des baies, ils ont des baies et de la viande. Je comprends pas ce qui m'emmerde. Là, il y a de la viande et là, il y a des baies. Il m'emmerde. Hein. Enfin bref. Donc il lui faudrait normalement le marché doit offrir au moins deux types de nourriture. Il est con. Donc une fois vraiment tout ça y est, tu peux améliorer niveau 2. Et niveau 2, là, ça étoffe un peu plus les besoins, forcément. Donc ça, c'est un peu comme City Skylines. Ok, il va falloir que là, je le mette en deux fois jachère. Hein. Parce que 11%, c'est tombé très bas, là. Niveau fertilité, c'est bien de la merde. Le saviez-vous? L'ergot de seigle, c'est un champi hallucinogène qui se met sur le seigle et provoque des crises de démence. C'est arrivé dans un village français dans les années 50, les mecs sautaient par les fenêtres, il y a eu plusieurs morts. C'est un dérivé du LSD. Même si certains soupçonnent la CIA. D'accord. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça. N'hésitez pas à aller sur YouTube, checker les récaps en cours d'édition et de publication. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est un rythme effréné. Le monteur, il est au taquet, là, le Mister Kasi. Il y a plein d'épisodes Red Dead qui sont en train de sortir. Donc voilà, faites-vous plaisir. Mettez un like, commentez, abonnez-vous. Faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. C'est Kasi qui régale. Du coup, voilà. Et pareil, 3.0 numérique, magasin qui permet d'acheter du matériel informatique en ligne sur La Réunion. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Il y a plein, plein, plein de matos intéressants. Ils font des petites promos sympas, etc. Donc abonnez-vous sur Instagram. À leur page et aller checker leur boutique, ça peut servir, voilà, à des prix pas exorbitants et même intéressants. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo, voilà, comme ça la livraison est offerte. Sinon, c'est je crois que c'est 9 € ou 10 € la livraison. Voilà, livraison sur l'île, hein, évidemment. L'intérêt, c'est pour les gens qui habitent l'île de la Réunion. Les petits boucliers, c'est bon. Putain, les lances là, dépêche-toi. Elle fait quoi la forge? Que fait la forge, hein? À un moment donné, que faites-vous d'ailleurs? Qu'est-ce qui stocke le. C'est le manoir qui stocke les armes? Ah oui. La pluie arrive, ouais, c'est ça. Et en fait, là, tu vois, d'ailleurs, avec la pluie, il m'alerte que j'ai des biens. Je sais pas comment venir les chercher, ça me saoule. Parce qu'en fait, tu peux pas ordonner. Tu peux pas leur dire de venir chercher un truc, quoi. Il faut que ce soit eux-mêmes. Je sais pas pourquoi ils laissent des provisions comme ça. Traîner, c'est chiant. À moins que tu fasses un truc qui en ait besoin et qu'ils viennent chercher ce qu'ils ont besoin de venir chercher. Les biens stockés ici sont exposés aux intempéries et doivent être transportés jusqu'à un entrepôt. Ben je veux bien, mais comment tu... Comment... L'entrepôt est là, il y a un mec qui est dessus, enfin ils ont même un étal sur le marché. Vas-y, je vais mettre une famille dedans, en espérant qu'elle puisse affecter cette famille à un autre lieu de travail. Voilà. Non, non, non. Tiens donc! Alors ça, par contre... Ça, j'avais jamais fait gaffe. Accepte tous les biens de cette catégorie. Accepte tous les biens de cette... Putain, tu peux spécialiser tes entrepôts. C'est énorme. Donc tu pourrais faire des entrepôts en disant que non, ça c'est que ça, c'est que ci, c'est que ça, putain. Définir la zone de travail. Donc ça, c'est quoi? C'est pour... Ouais, bah voilà. Pour venir récupérer un truc. Ouais, ça c'est cool. Bon bah, voilà. Peut-être que comme ça va marcher. C'était où? C'était là, ouais. Voilà, c'est ça. Adjust size. C'est tout petit. C'est tout petit.
On va mettre comme ça, en espérant qu'ils viennent chercher tout ce bordel là. Et Razor me disait un truc, je l'ai pas vérifié parce qu'à un moment donné, j'ai eu le cas. Quand tu as plus de 75% à la fin du mois et que tu passes au mois suivant, t'es censé être dans une croissance forte. Donc t'es censé avoir deux familles qui rejoignent le village. Mais ça a pas marché. J'ai déjà passé le mois suivant à 80% de popularité. Et ça a pas marché, malheureusement. Cela n'a point marché. Razor raconte de la merde. Ouais, c'est je pense aussi, hein, comme d'hab. Pour faire la petite église en pierre, à partir de l'église en bois, voilà, il te faut des bois, des pierres, des planches et des tuiles. Tout ce qui manque, c'est les tuiles. J'avais pas encore développé cet aspect-là. Marché, c'est ça. Aucun coût de construction permet aux familles affectées à d'autres tâches d'installer des étals et de distribuer leurs produits aux autres sensibles. Un bon équilibre entre l'offre et la demande nécessaire pour répondre aux besoins d'habitation et maintenir votre popularité au plus haut. C'est chiant. Ah, il y a des œufs. C'est mignon. Ça y est, on a nos premiers œufs. Trop mimi. Et carottes. Au Kong. Viande de carottes et œufs. Et voilà. Est-ce qu'elle est pas belle, la vie? Non mais vas-y, quoi. Mais il est malade. Il est malade. Mais c'est un grand malade. Bon, bah on est dans la merde. Du coup, ça sert à rien la forge non plus. Voilà, tout ce qui est construction d'armes et tout, c'est mort. J'ai mal un peu, hein. Moi, ça me fait mal, hein. Ça me tue de chagrin, là. Bah, ça va, revendique ton pays, là. C'est bon, je me rends, ouais, c'est cool. Voilà, donc c'est lui, hein. Alors, vous dites que je suis moche et maintenant ça abandonne. Voilà, nous pouvons clore cette querelle moyennant une petite somme. Bah, dis donc, je peux vous faire une offre des plus intéressantes si vous renoncez à vos revendications. Gratuit. Et là, je peux vous faire une offre des plus intéressantes si vous renoncez à vos revendications. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a mis fin, il a dit, ouais, mettons fin à nos querelles. Claim accept. Give away the rights to disputed region. Ah ouais, t'acceptes en fait sa... son claim. Génial. Non, moi ça va être ça. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris. Lol. Faut lui proposer un prix. Mais je lui laisse zéro. Je te donne zéro, mec. Et là, 10, c'est quoi? C'est... Comprends pas. Parce que ça me coûte rien d'influence. Enfin, je sais pas. On dirait que c'est le prix en influence. Enfin, j'ai pas bien compris c'est quoi l'on dit. Mais non, tu peux rentrer un chiffre, donc je comprends pas. Relation actuelle en développement. Mais ça marche en plus. Tout à l'heure, ça l'a calmé. Voilà, je lui envoie une lettre. Et il va abandonner sa revendication, tu vois. C'est fabuleux. Si ça le refait, c'est génial. Et moi, du coup, je suis en train de faire une revendication de mon côté. Si ça marche, c'est parfait. Parce que vu l'armée qu'il a, le mec, pas déconner, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est des brigands. 8, 9, 10, 11. 11 milices. Et deux groupes de brigands sous sa botte. On sera pas trop mal, voilà. Variété de nourriture. Allez! Donc là, c'est à moi. Ah, trop bien. Bon, il a trois terrains, j'en ai deux. Sachant que vous contrôlez une autre région en appuyant sur T. Compris. C'est vrai ça. T. Hop. Inkinchnu. Donc là, ce qu'on peut faire, est-ce que c'est une route? Donc c'est pas colonisé, donc je peux pas y installer des gens, mais est-ce que je peux y installer des travailleurs? Ça serait génial. Ça demande rien, ça demande... Putain, là ça demande juste de la thune. Allez, on arrive en juillet, on va se manger une famille là. Logicamente. Rassurez-moi, s'il vous plaise. On est à 26 familles, 27 sensibles, donc normalement oui, on a une nouvelle famille qui débarque là. C'est bon ça. On va la mettre dans la fosse, comme fossoyeur. Ah mais lol, on sait ça en fait, je peux faire... Et voilà. Faire des zones de bâtards, mais c'est quoi ça va être... Ouais, c'est pour faire des... En fait, pour qu'ils puissent planter des légumes de folie, quoi. Ah, ça bosse ou pas, là? Voilà l'argile, il est là, l'argile. Va falloir coltiner le four à tuiles, par contre, à un moment donné, les copains. Allez, je vais le mettre en maximal. Priorité de construction maximale, parce que c'est pour le, c'est pour l'avenir, ça. Demandons-moi une famille sans affectation, four à tuiles. Ah, merde. Comment ça se fait qu'ils sont sans affectation, les cons? Il se passe quoi, là? Merde. J'ai dû avoir un truc... où j'ai mis trop de familles quelque part, là. Ça y est, nos archers se complètent. Ah, ben ouais. Donc il a déjà fait 12 arcs, le mec. Et là, je comprends pas pourquoi ça descend. C'est en train de me gonfler, ça. On manque de lances. On a 79 grands boucliers, 42 lances. Et il peut me faire que 16 types. Il y a un problème, là. Ou c'est parce que j'ai fait trop de milices? Ah, voilà, ouais. Ok, j'ai fait trop de milices, en fait. Donc l'infanterie, là, ça sert à rien. Et comment acheter des retenues? Je sais pas. Donc là, c'est vraiment un problème. On a 36, ouais. Il faudrait qu'on fasse 36 bonhommes et 36 archers. Mais là, c'est un problème de population, du coup. Ok. 1,4 Morgan. Oh, il n'y a pas de zone particulière, en plus. Il faut... Oh, il n'y a même pas besoin d'avoir une connexion à la route, en fait. Ah ouais. Bah, ça se perd. Revendication. Baril de Bolt. Donc là, tu peux faire... Tu peux rien faire. Donc j'attends de lui déclarer la guerre, et puis je négocierai après. Ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on aille taper les brigands qui sont à côté, quoi. Bah, il me manque 7 arcs, et je serai bon.